le crédit interbancaire. Non, c'est normal, c'est normal. Non. La même semaine, mais la même semaine, l'Union européenne a réduit de 60% les crédits du développement et les crédits d'aide humanitaire. Ce qui très concrètement signifie aujourd'hui où nous parlons que par exemple au Soudan occidental où 2,2 millions de personnes sont dans 17 camps dépendent exclusivement de l'aide humanitaire, de l'aide alimentaire tous les jours du programme alimentaire mondial, les rations qui sont distribuées selon de l'ONU sont à 1500 calories individus adultes par jour, ce qui veut dire la moitié du minimum vital. À cause du banditisme bancaire, à cause des malfaiteurs de Davos, des enfants par milliers meurent maintenant en Somalie, au Darfour, au Bangladesh et au Kenya du Nord. Nous, Emmanuel Kant a dit, l'inhumanité infligée à un autre détruit l'humanité en moi. Nous nous sommes remobilisés magnifiquement contre les massacres effroyables de l'armée israélienne à Gaza il y a 15 jours. Mais nous devons rester mobilisés pour les enfants qui meurent à cause des prédateurs de Davos, par ces enfants, hommes et femmes, qui meurent dans l'hémisphère sud, non comme avocats, comme partisans, comme moi, que nous. Je vous ai dit deux mots sur l'Uber. Le 16 octobre dernier, les trois dirigeants principaux de l'Uber sont allés au palais fédéral. Et ils ont dit, on est au bout, 20 milliards de pertes en septembre. Le conseil fédéral, dans sa majorité bourgeoise, totalement obéissant à la dictature du capital financier, a libéré et versé aux malfaiteurs de l'UBS 68 milliards de fonds publics. Votre argent. Sans poser aucune quelconque condition, sans accepter un contrôle, sans prendre un paquet d'actions, rien du tout. Les mêmes prédateurs restent au pouvoir. Enfin, il y a un des trois dirigeants qui est inculpé aux États-Unis, Weil, un des trois, mais Kurer et Rohner, le président et le directeur général, sont toujours en liberté, sont toujours en place et se distribuent toujours les bonis avec notre argent. La seule réponse est la nationalisation de l'UBS. La prise de contrôle public. Dans une démocratie, et la Suisse est une démocratie, nous pouvons tout faire. Il n'y a pas d'impuissance pour un peuple libre. Il y a la constitution que nous avons, qui elle d'ailleurs, en 1848, est née d'une révolution. Utilisez nos droits, pour paralyser le bras des assassins dans le tiers-monde et pour mettre fin au banditisme bancaire dans notre pays. Je termine. Il faut interdire ce bal de vampire de Davos. Il faut l'interdire. C'est une réunion indécente. Et en plus, elle est financée par 28 millions de fonds publics. C'est nous qui payons les banquets là-bas. Les Suisses, mettons fin à ce forum réunion annuelle des prédateurs, des malfaiteurs, des truands, des spéculateurs du monde. Nationalisons l'UBS, abolissons le secret bancaire, transformons ce pays d'un paradis fiscal en un pays de solidarité, de justice sociale et de rayonnement des droits de l'homme. Vive la démocratie suisse, vive
toutes les nations qui sont représentées dans cette magnifique assemblée. Vive la solidarité entre les peuples. Tu ne me laisses pas passer là. Non, on va rester ici maintenant. On ne bougera pas de là. On attend que nos camarades qu'ils ont arrêtés. Il faut une insurrection des consciences. Il faut changer ce monde. Comme démocrate, nous avons les moyens de le faire. Vous seriez... Il faut une insurrection des consciences, il faut changer ce monde. Changer comme démocrate, nous avons les moyens de le faire. Il faut une insurrection des consciences, il faut changer ce monde. Changer comme démocrate, nous avons les moyens de le faire. Il faut une insurrection des consciences, il faut changer ce monde. Changer comme démocrate, nous avons les moyens de le faire. Il faut une insurrection des consciences, il faut changer ce monde. Changer comme démocrate, nous avons les moyens de le faire. Il faut une insurrection des consciences, il faut changer ce monde. Changer comme démocrate, nous avons les moyens de le faire. Il faut une insurrection des consciences.